profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série Le guide du survivant des nouveaux locataires, Camille, partie 1 sur 4. J'ai hérité d'un pub en ville. Mes habitués ne sont pas des gens normaux. Lorsque j'ai reçu l'appel m'annonçant qu'on m'avait laissé un pub en héritage, je n'y ai pas cru. Mes parents étaient morts quand j'étais jeune et j'avais grandi dans une famille d'accueil sans connaître aucun de mes proches. On m'a expliqué que le pub appartenait auparavant à une tante éloignée, une vieille fille nommée Lucie. Lorsque l'avocat à l'autre bout du fil m'a dit que l'établissement s'appelait le Gnome Grincheux, j'ai failli lui rire au nez. Quelques jours après cet appel, des documents juridiques ont été déposés dans ma boîte aux lettres. Malgré mes inquiétudes initiales, tout semblait conforme à la loi. Je devais traiter avec un avocat nommé Aurélien, qui était l'exécuteur testamentaire de tante Lucie. Le Gnome Grincheux était situé près d'un parc municipal, dans un quartier résidentiel avec quelques tours et quelques HLM. J'ai toujours habité de petites villes. Aucune des familles d'accueil dans lesquelles j'ai vécu n'était originaire de zones très urbanisées. La maison comprenait un appartement de 3 chambres à l'étage, une énorme cave à alcool et une petite brasserie pittoresque. Je ne connaissais rien à la gestion d'un pub. Le gnome était à des kilomètres de chez moi et je n'avais jamais rencontré tante Lucie ni même entendu parler d'elle. Mais alors que je tenais les titres de propriété entre mes mains et que je m'asseyais sur le lit du studio que je louais en regardant les murs écaillés représentant des magnolias, j'ai pris la décision de changer de vie. J'ai emballé toutes mes affaires, qui tenaient dans une seule valise, et j'ai préparé mon chat, Frometon, à notre nouvelle vie. Le gnome n'était pas ce que l'on imagine lorsqu'on entend parler d'un pub urbain. Il était comparable à une étrange relique, une antiquité appartenant à une Angleterre figée dans le temps. C'était un établissement de type pub anglais, sans aucun autre débit de boisson à proximité, et il était entouré d'une communauté locale très vivante. Aurélien m'a assuré que l'affaire était parfaitement viable et que je devrais pouvoir y vivre assez confortablement, en fait. Tout l'intérieur était en bois. Il y avait du houblon suspendu au plafond et des bouteilles de spiritueux vintage remplies de lumière qui décoraient l'intérieur. Le bar était d'un acajou profond, au vernis bien usé présentant des éclats et des rayures. À l'une de ses extrémités se trouvait une petite statue d'un gnome allongé sur le dos, les pieds en l'air. « Vous avez l'air vraiment grincheuse !» Aurélien fit un clin d'œil en riant, visiblement satisfait de sa blague médiocre. Les murs étaient couverts de peintures abstraites et colorées. Aurélien m'informa que ma tante était une peintre passionnée et que la plupart des œuvres d'art étaient les siennes. Il m'a fait visiter l'appartement et j'aurais aimé que le sens artistique de Lucie s'y étende. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Tout comme le pub, le logement à l'étage semblait enfermé dans une capsule temporelle autonome, en l'occurrence un décor criard des années 70. Ce n'était pas à mon goût, mais j'étais reconnaissante de ne plus avoir à dormir dans ma cuisine. La plupart des meubles avaient été laissés sur place, et j'étais soulagée de ne pas avoir à les acheter. L'appartement était spacieux et lumineux, et il avait du potentiel. Tante Lucie avait même laissé près de la fenêtre du salon un cactus, un peu abîmé, mais à l'allure encore glorieuse, que j'avais hâte de sauver. J'ai souhaité une bonne journée à Aurélien, et je me suis installée dans mon nouveau foyer. Frometon adorait explorer le bar et tous les coins et recoins qui se trouvaient en dessous. Je commençais à me réjouir à l'idée de diriger l'établissement. J'imaginais Frometon et moi en train de servir tous les habitants de la région sans plus avoir à me soucier de l'argent. Je me sentais tellement bénie. Préparer l'ouverture du gnome n'a pas été une mince affaire. Il a fallu un mois de nettoyage en profondeur, obtenir une licence personnelle et établir une organisation avec les fournisseurs. Tante Lucie avait laissé l'entreprise dans une situation saine. J'ai pu tout faire sans que cela ne me coûte quoi que ce soit. Elle a également laissé derrière elle un employé permanent, Damien, que j'ai choisi de garder. Damien était un homme âgé, mais il n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite. Il avait les cheveux grisonnants, un physique rond et se vantait d'avoir travaillé pour ma tante durant 10 ans. Il était impatient de remettre l'établissement en état de marche et m'a dit à quel point il manquait aux habitués. Damien a été une bénédiction. Il m'a expliqué toutes les subtilités des tireuses et comment adapter notre fonctionnement au système traditionnel des pubs. Frometon l'adorait. Il ronronnait et frottait sa tête contre ses jambes chaque fois qu'il était dans la pièce. Je crois qu'il faut toujours tenir compte de ce que les animaux de compagnie pensent d'une personne. Et il était donc dans mes petits papiers. Le soir où j'ai enfin ouvert les portes, ce fut un tel soulagement. Je ne voulais pas changer grand-chose.
Je voulais garder la même ambiance que Lucie. Damien m'a dit que le gnome était comme une maison loin de la maison, un salon où l'on pouvait prendre un verre. J'aimais cela et je n'avais pas l'intention de le détruire. Ma vie avait été plutôt misérable avant que cela n'arrive. J'avais reçu une opportunité en or et je ne comptais pas la ruiner. J'ai tapoté la statue du bar pendant que Damien déverrouillait la porte d'entrée. Immédiatement, un petit flot de personnes entra et prit place autour des diverses tables et tabourets de bar disposés çà et là. Damien avait fait du bon travail. La nouvelle de la réouverture n'avait pas tardé à se répandre. Un vieil homme échevelé, coiffé d'un bonnet de laine, s'assit sur le tabouret de bar le plus proche de la statue de gnome et souffla bruyamment. Il n'était pas rasé et des touffes de cheveux dépassaient de son bonnet. En dépit de son apparence négligée, il arborait un immense sourire. « Oh Gnobert, comme tu m'as manqué !» il s'exclama en regardant amoureusement le gnome qu'il avait ramassé sur le bar. Au son de la voix de l'homme, Damien sortit instantanément de l'arrière-boutique. « Alain, c'est bon de te revoir en position !» exclama-t-il, serrant vigoureusement la main de l'homme depuis l'autre côté du bar. « Comment vas-tu ? » ?»« Eh bien, pas mal, Damien, mais j'ai perdu mes billes, enfermé à l'intérieur pendant tout ce temps. Je suis toujours aussi déçu pour notre Lucie. » Alain s'interrompit avec une certaine tristesse et m'adressa un regard désapprobateur. « Tu ne vas pas me présenter à notre nouvelle propriétaire ?» Damien posa sa main sur mon épaule et me rapprocha de lui. « Bien sûr, comme je suis impoli. Alain, voici Camille, la nièce de Lucie et la nouvelle propriétaire du gnome. » Il se tourna vers moi tandis qu'Alain continuait à me fixer avec un air suspicieux. « Camille, voici Alain, il vit pratiquement ici. » « Ne t'inquiète pas, il va s'habituer à toi. Je crois qu'il s'attendait à ce que Lucie lui laisse la place, car il vient souvent. » Il a éclaté d'un rire féroce, et j'ai souri nerveusement en réalisant que je venais d'hériter d'une communauté entière de gens qui n'étaient peut-être pas si accueillants. « Enchanté de vous rencontrer, » redouillai-je. Je me détestais. Alors que les propriétaires sont censés être charismatiques, j'arrivais à peine à dire bonjour. « Je ne savais pas que Lucie avait une nièce. » Alain a répondu platement, ses moustaches touffues rebondissant autour de sa bouche à mesure qu'il parlait. « Je ne savais pas que j'avais une tante, » ai-je répondu. « Eh bien, je suis ravi de te rencontrer, Capucine. » Alain avait répondu d'un air aussi sincère qu'un végétalien commandant un steak à l'os. C'est Camille, en fait. « Qui est Gnobert ?» ai-je demandé en désignant la statue de la tête, essayant de changer de sujet. Damien affichait un sourire gêné et je voulais détendre l'atmosphère. L'expression d'Alain s'est finalement apaisée lorsqu'il a caressé la statue ivre du bout de ses doigts crasseux. « Ah, Gnobert, voici ma meilleure amie Capucine. » J'ai grimacé car il s'était encore trompé sur mon nom, mais je n'ai pas pris la peine de le corriger. Il avait l'air moins aigri et je m'en estimais heureuse. « Nous avons vécu beaucoup d'aventures ensemble, des enfermements, des invasions, la fois où le renard enragé a essayé de manger Jessica dans le coin là-bas et notre Damien... »« Alain !» Damien l'interrompit en avalant un verre de whisky devant lui et en toussant. « On a tout le temps de se remémorer, mais portons d'abord un toast à la réouverture du gnome, d'accord ?» Je voulais en savoir plus. L'histoire du renard enragé semblait intéressante, mais Damien s'efforçait péniblement d'empêcher Alain de parler. Il a placé un verre à liqueur devant moi, un second devant lui, et en a aligné 20 autres sur le bar. « Dis quelque chose, Capucine. Fais-leur un petit discours d'ouverture. » Il m'a souri. Je détestais parler en public et je ne pouvais pas imaginer une situation pire que celle-ci. Mais juste au-dessus de l'épaule de Damien se trouvait une photo de tante Lucie que j'avais accrochée derrière le bar. Si je ne l'avais jamais rencontrée, le fait de me sentir appartenir à une famille pour la première fois de ma vie me donnait un étrange sentiment de responsabilité. Je ne voulais pas la décevoir. Après un court instant de panique, je saisis finalement une cruche en plastique sous le bar et la frappai contre le plan de travail en acajou ébréché. Le brouhaha des conversations s'arrêta et tous les regards se braquèrent sur moi. « Bienvenue !» criai-je. C'était un début timide, mais je n'avais aucune idée de ce que je faisais. « Si vous m'aviez dit il y a 3 mois que je tiendrais un pub en ville, je vous aurais ri au nez. Pour être honnête, je ris encore à cette idée aujourd'hui. Je n'ai jamais connu ma tante Lucie, mais elle m'a choisie pour reprendre cet établissement et je veux la rendre fière. » J'espère pouvoir faire connaissance avec vous autour d'un verre et partager des histoires intéressantes, mais pour l'instant, j'aimerais porter un toast. Au gnome grincheux, à ma tante Lucie et à toute une vie de bonne soirée à boire. Sur ce, je levai mon verre et l'avalai d'une traite. Je sentis alors la brûlure de ce que je soupçonnais être une vodka très forte au fond de ma gorge. La foule applaudit et m'acclama avant de reprendre les verres que Damien avait distribués pendant que je parlais. Je lui jetai un regard,
cherchant son approbation tout en me mettant à tirer des pintes. Il me fit un signe de tête rassurant. Je semblais avoir pris un bon départ. Même Alain commençait à se montrer agréable à mesure que la soirée avançait. C'était une soirée très animée, tout au long de laquelle il était impossible de trouver un tabouret libre. C'était mon baptême du feu dans l'hôtellerie, mais j'ai adoré. Les clients me racontaient des histoires sur ma tante et sur les moments qu'ils avaient passés au gnome. Ils me faisaient me sentir la bienvenue, comme si je faisais déjà partie de la communauté. Vers 10h, un homme et sa femme sont entrés. Mon nouvel ami Alain m'expliqua qu'il vivait dans l'une des maisons situées en face du pub et qu'il leur arrivait parfois d'être un peu difficile, voire pénible. Néanmoins, il les a appelés pour me présenter. Ils semblaient être des gens charmants, chaleureux et gentils. Son analyse paraissait donc infondée. La femme était installée au bar et me disait combien je lui rappelais Lucie et combien ils avaient été bons amis. Elle avait l'air émue en sirotant son gin tonic, regardant la photo derrière moi. Lorsque l'homme s'est éclipsé pour aller aux toilettes, elle a changé d'attitude. En larmes, elle m'a révélé qu'ils s'étaient disputés cette nuit. Elle le soupçonnait de la tromper avec une certaine Jessica. Je me suis sentie mal à l'aise à ne pas lui accorder toute mon attention, mais en l'entendant, je me rappelais que je devais vraiment demander à Alain ce qu'il en était de ce renard. Elle devenait de plus en plus angoissée à mesure qu'elle me racontait sa situation. J'étais gênée de voir une inconnue m'exposer ses problèmes les plus intimes. Pendant ce temps, Alain était assis à côté d'elle, Gnobert devant lui, et écoutait son récit. Je vis son mari se frayer un chemin parmi la foule pour revenir vers nous. Je m'inquiétais de la capacité de la femme à se contenir. La suite me donna raison. Au moment où l'homme atteignait le bar, Alain m'a regardé droit dans les yeux et a soupiré. « Attache ta ceinture. » Pour la première fois de la soirée, il quitta sa chaise et alla rejoindre un groupe d'hommes plus âgés qui jouaient aux cartes dans un box déjà bondé. Au bout de quelques minutes, la femme se mit à crier. Les gens essayaient de ne pas y prêter attention, mais ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Un véritable feuilleton se jouait au bar. Elle hurlait à propos de Jessica, du fait qu'elle avait apparemment senti le parfum de cette salope l'autre jour en rentrant du travail et qu'elle avait vu des messages qu'ils s'étaient échangés. L'homme a farouchement nié ses allégations. J'ai demandé à Damien si je devais les interrompre ou leur demander de sortir. Il m'a regardé et il m'a dit « Tu ne dois pas intervenir et laisser les choses suivre leur cours. Ce sont tous des habitués, ne t'inquiète pas. Cela arrive souvent. Les autres clients comprendront. » Je ne comprenais pas. Il semblait être un couple marié tout à fait raisonnable. J'étais sûre qu'il me suffisait de leur parler. Alors que je me demandais pourquoi Damien semblait presque effrayé à l'idée de s'impliquer, pourquoi Alain s'était éloigné et comment les autres clients avaient tous discrètement réussi à créer une distance de quelques mètres entre eux et le couple, je fus interrompue dans ma réflexion. La femme apporta une réponse à mes questionnements en ramassant un grand éclat de verre qu'elle écrasa sur le visage de son mari et sur le sol de mon pub. Je n'eus pas le temps de réagir, ni même de cligner des yeux. Alors que son mari tentait désespérément de la repousser, elle lui trancha la gorge avec le bord acéré du tesson. L'homme était bien plus grand que sa femme. Il aurait dû pouvoir s'en défaire facilement, mais elle semblait en proie à une rage surhumaine. De ses ongles, elle griffait la blessure qu'elle avait elle-même créée, tout en continuant à sangloter et à se lamenter au sujet de cette Jessica. J'étais complètement choquée et horrifiée par ce à quoi je venais d'assister. Les yeux de la femme étaient noircis par le mascara dégoulinant et son mari, désormais mort, se vidait de son sang dans mon pub. Mon pub. Mon esprit a commencé à s'emballer. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? Après quelques instants de panique, je me rendis compte que personne n'avait l'air aussi bouleversé que moi par la scène. Alain était assis dans le box avec les autres hommes. Son visage affichait un air de vague dégoût en regardant le cadavre sur le sol tandis qu'il recommençait à mélanger le paquet de cartes d'un geste désinvolte. Damien avait rejoint la femme. Il avait posé sa main sur son épaule pour la relever et l'emmener loin de la scène. Alors qu'il l'accompagnait vers un siège au bout du bar, elle passa devant moi et me regarda, les larmes aux yeux. « Je suis désolé pour le désordre. Je ne voulais pas faire une si mauvaise impression lors de ta première nuit. S'il te plaît, pardonne-moi. » Je pensais avoir tout vu jusqu'à ce que je me retrouve pour voir un client avec la main de l'homme mort dans la sienne, l'aidant à se relever. Ce dernier avait l'air chancelant et se tenait le coup, mais il parvint à rester debout. Lorsqu'il retira finalement sa main, j'ai vu que la blessure avait entièrement disparu. Il n'en restait qu'un peu de sang. Il n'y avait aucune égratignure ou coupure sur son visage, pas même un morceau de verre incrusté. Damien continua à servir des boissons tandis que l'homme se tenait au bar, dans un état catatonique. Il rejoignit sa femme dans un coin, et après une discussion calme et inaudible, ils sortirent du pub.
J'écoutais distraitement Damien effectuer un rappel au dernier client au fond de la salle. Je demeurais debout, immobile, fixant la mare de sang que les gens évitaient délicatement. Les derniers retardataires terminèrent leur verre. Avant de partir, certains m'adressèrent des paroles rassurantes. « Tu t'es bien débrouillé. » Lucie serait fière. « Tu t'y habitueras, ne t'inquiète pas. » Leurs encouragements me passaient au-dessus. Les amis d'Alain étaient partis, mais il avait repris sa place à côté de Gnobert et se tenait là, pendant que Damien verrouillait la porte. « Ce boulet ne t'a rien dit, n'est-ce pas ?» cracha Alain, en lançant à Damien un regard bien plus méchant que celui auquel j'avais eu droit lors de notre première rencontre. « Il devait me dire quoi, exactement ? Pourquoi cet homme n'est-il pas mort ?» C'était la première fois que je parlais depuis l'incident. Mes mots étaient rauques et tendus, et je pouvais voir la pitié dans les yeux d'Alain quand il me regardait. « Je ne voulais pas qu'elle s'enfuie, Alain. Lucie l'a choisie, et elle est notre meilleure chance pour que les enchères n'aient pas lieu. Je ne pensais pas que quelque chose comme ça arriverait le premier soir. » Damien renchérit, d'un ton chargé d'une intense culpabilité. « Tu crois qu'elle ne va pas s'enfuir maintenant ? Espèce d'idiot !» répliqua Alain. « S'il vous plaît, quelqu'un peut me dire ce qui se passe ? Je suis là !» Je les ai suppliés, luttant encore pour décrisper suffisamment ma mâchoire inférieure pour parler. J'étais gênée par le fait qu'ils échangeaient comme si je n'étais pas dans la pièce. Damien a pris un air penaud. Alain a de nouveau soupiré, ce qu'il faisait souvent, et a repris la parole. « Cet endroit n'est pas normal, Camille. Ceux qui boivent ici ont tendance à avoir quelque chose d'un peu différent où ils ne font pas attention à ceux qui boivent. Le couple de tout à l'heure est inoffensif. Ils ont juste un peu besoin de dramatiser. Le mec ne la trompe pas, mais c'est un connard et sa femme est une alcoolique qui a des problèmes de confiance, ce qui donne lieu à d'énormes explosions. » En guise d'avertissement, ces deux zigotos ne sont pas les seuls habitués du gnome. Tous ne se feront pas égorger et ne se relèveront pas 10 minutes plus tard, mais certains pourraient essayer d'entrer dans vos magasins par les interstices des cadres de porte ou se faire pousser des griffes acérées un jeudi soir pour percer tous vos verres. Mieux vaut utiliser des produits jetables le jeudi, vous me remercierez plus tard. Quoi qu'il en soit, tu verras. Enfin, si tu décides de rester, bien sûr. Lucie a été très accueillante. Elle a fait en sorte que nous nous sentions tous les bienvenus, même si nous étions uniques. Elle a dû penser que tu serais bien ici. J'essayais de comprendre ce qu'Alain disait sans pour autant y parvenir. Je m'étais interrogée au sujet du mastic appliqué sur le cadre des portes de la cave. J'avais supposé qu'il s'agissait d'une protection contre les parasites, mais maintenant je n'en étais plus si sûre. Comment a-t-elle pu penser cela alors que nous ne nous sommes jamais rencontrés ? Elle ne me connaissait pas, ai-je répondu, me sentant émotionnellement submergée par toute cette situation. Et tu ne la connaissais pas non plus. Elle t'a choisi pour une raison, je te le promets. Mais si tu veux partir, on comprendra. Il a regardé Damien, une fois de plus, et a fini son verre d'un air résigné. Les pensées se bousculaient dans mon esprit. Le cadavre du mec sur le sol, la photo de tante Lucie, ce putain de mur écaillé au motif magnolia. Alain se leva et se dirigea vers la porte. « Je reste. » J'avais brisé le silence qui régnait dans la pièce. Alain se retourna et sourit. Damien avait l'air soulagé. Son visage avait retrouvé des couleurs. « Mais tu dois m'aider à nettoyer ça. » J'ai terminé ma phrase en désignant du regard la mare de sang encore bien visible sur le sol. Damien a attrapé la serpillière à l'arrière et quelques produits de nettoyage sous le bar. J'ai commencé à balayer l'excès de verre, les bouts de mon balai étalant le sang comme de la peinture. Je me suis tournée vers Alain. « Allez, parle-moi de ce renard enragé. » Mes premiers mois au gnome grincheux furent formidables. Ma vie s'était améliorée, bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Je m'amusais avec mes clients, j'appréciais mon espace de vie et la ville, et même Frometon semblait plus heureux. En 3 mois, j'ai vu le mec que mon ami Alain appelait un connard mourir au moins 8 fois. En fait, il s'appelle Philippe. Alain m'a dit que le couple était dans une bonne passe et semblait plus heureux que jamais. J'ai frémi en tentant d'imaginer ce à quoi pouvait ressembler une mauvaise passe. Frometon s'est vraiment attaché à la femme de Philippe, Sandra. Le chat traversait le pub au trot pour s'installer sur ses genoux et feuler en direction de Philippe. J'étais désolée pour le pauvre homme qui avait toujours été gentil avec moi. Il m'a même aidé à nettoyer sa cervelle qui avait giclé sur les tireuses lorsque Sandra l'avait battu à mort avec une pinte de bière. Je ne vois pas comment il aurait pu en faire davantage pour se faire pardonner.
J'ai appris à connaître tous nos habitués et à gérer certains d'entre eux, notamment les cas les plus particuliers. Madame Tournier, par exemple, adorait boire. Mais que Dieu vous vienne en aide si vous la laissiez descendre plus de 6 verres. Le 7e l'a transformée en un véritable démon. Elle avait arraché la tête à son oiseau en rentrant chez elle. Le lendemain, j'ai trouvé Frometon en train de jouer avec la moitié inférieure de l'oiseau. Damien et moi avons pris l'habitude d'utiliser un tableau de comptage pour elle. Nous faisons une marque pour chaque boisson que nous lui servons et ça marche. Au fil des mois, les affaires s'améliorèrent, à tel point que j'ai dû finalement embaucher une autre personne pour travailler au bar avec Damien et moi, et c'est ainsi que Nathalie est arrivée. Nathalie venait d'avoir 18 ans et était très nerveuse. Je lui prodiguais une initiation bien plus complète que celle que Damien m'avait faite, mais je pense que la première fois qu'elle a vu Philippe étalé sur le bar avec un talon aiguille planté dans le cou, elle a été traumatisée. Elle s'est pourtant révélée utile. Elle avait grandi dans le quartier, dans une tour au bout de la rue, et elle connaissait pas mal de nos habitués. Il n'en revenait pas de voir à quel point la petite Nathalie avait grandi et lui demandait des nouvelles de sa grand-mère qui l'avait élevée. Nathalie vivait toujours avec elle dans l'immeuble et passait son temps à travailler et à s'occuper d'elle. J'étais triste de voir qu'elle ne sortait jamais avec des amis de son âge. J'essayais donc de la préserver quand je le pouvais. J'ai su qu'elle ferait l'affaire lorsque l'un des doyens du gnome, Monsieur Dubuisson, s'était senti mal et s'était enfermé dans les toilettes pour handicapés pendant 3 heures. Lorsqu'il a commencé à faire des bruits inquiétants et bestiaux, j'ai demandé à Damien d'ouvrir la porte. Nathalie a insisté pour que nous ne le fassions pas, car Monsieur Dubuisson vivait dans son immeuble et elle avait été très claire sur le fait qu'il valait mieux ne pas le déranger. Lorsque Monsieur Dubuisson est finalement sorti, il s'est approché du bar avec sa canne et son petit sac de course et s'est excusé. Il a déclaré qu'il rentrait généralement chez lui à temps lorsqu'il se sentait un peu mal, mais qu'il s'était senti si bien au gnome qu'il était resté plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Il m'a proposé de payer pour le nettoyage, mais j'ai refusé. Je ne pouvais pas prendre son argent. Il me rappelait le grand-père que j'avais toujours souhaité avoir. Il avait des yeux si gentils. Et honnêtement, quel désordre pouvait-il faire? J'ai regretté ma complaisance lorsque j'ai inspecté les dégâts. Il y avait de la merde partout, sur les murs, au plafond et même dans l'évier. Le plus troublant, c'est que l'intérieur de la porte était couvert de marques de griffes profondes et incroyablement grandes. Le vieil homme frêle qui venait de partir ne pouvait pas avoir fait ça. Qui sait ce qui se serait passé si nous avions ouvert cette porte? Je ne pensais pas que Monsieur Dubuisson était un habitué des lieux, mais j'ai appris ce jour-là que l'on ne sait jamais à qui ou à quoi on parle vraiment. Je savais simplement que pour la plupart, mes clients étaient inoffensifs. Nathalie se délectait de sa petite victoire, mais sa nervosité reprit le dessus sitôt qu'un étrange visiteur franchit la porte du gnome un peu plus tard dans la nuit. Je ne l'ai pas reconnu, et au cours des mois précédents, je n'avais observé que peu de nouveaux venus au gnome. Je les accueille toujours, bien sûr, mais la majorité de mes clients sont des habitués. Je n'étais pas trop inquiète jusqu'à ce que je voie Alain quitter son tabouret lorsque l'homme s'approcha du bar. Alain ne quittait son poste que lorsqu'il se sentait menacé ou qu'il pensait qu'il allait y avoir des problèmes. Il se dirigeait vers le groupe le plus imposant et s'y intégrait. Je pense que le fait de faire partie d'une meute lui permettait de se sentir plus en sécurité. Je ne l'avais vu bouger qu'une poignée de fois, hormis lorsqu'il entrait ou sortait du bar. Pour être honnête, je ne savais pas s'il lui arrivait d'aller uriner. Le contraire ne me surprendrait pas. Le nouvel arrivant s'approcha du plan de travail en acajou ébréché. Il portait une veste dont la capuche était rabattue sur sa tête. Il avait rentré ses bras dans les manches de son haut. J'ai regardé une main fine et pâle sortir de l'une d'elles par-dessus le bar et déposer quelques pièces devant moi. « Vous devez être la nouvelle gérante. Je m'appelle Cédric. Lucie et moi avions un accord préalable que j'espérais poursuivre. Pourrions-nous en discuter autour d'un grand vin rouge, s'il vous plaît ?» Il parlait d'un ton mystérieux. Comme s'il racontait une histoire de fantôme, ou comme s'il allait me présenter un marché qui mettrait même un démon mal à l'aise. Il avait pratiquement craché le mot « s'il vous plaît », comme s'il lui laissait un mauvais goût dans la bouche, ce qui accentua ma nervosité. « Enchanté, Cédric. Je m'appelle Camille. Si vous pouviez m'excuser un instant, s'il vous plaît ?» Je ne lui donnais pas le choix. Sans prendre les pièces qu'il avait posées, je me ruais à l'arrière, laissant Nathalie tenir le bar pendant que je partais à la recherche de Damien. Damien était en train de discuter avec une femme particulièrement mince quand je l'ai trouvée. La dame me regarda d'un air penaud et se précipita vers le bar. « Encore une de ces personnes sans dignité ?» demandai-je en désignant l'espace minuscule qui entourait la porte. Damien hocha la tête en riant. Je ne pris pas le temps de le questionner à ce sujet et poursuivis rapidement. « Tu savais que tante Lucie avait fait affaire avec un certain Cédric ?» Le sourire d'Alain s'affaissa. On aurait dit que le sang avait quitté ses joues pour rejoindre ses pieds.
J'espérais qu'il laisserait tomber à la mort de Lucie. J'aurais dû te prévenir, j'espérais juste... Je suis désolé, Camille. Vraiment. Il parlait si gravement que je commençais à paniquer. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il veut? Cédric organise une réunion au Gnome le troisième mercredi de chaque mois pour ses amis bizarres. Lucie l'aimait bien au début, il payait à l'heure et il était poli. Les choses ont changé lorsque Lucie a découvert le sujet de leur réunion. Ils avaient toujours exigé une stricte confidentialité, mais elle pensait avoir entendu la porte s'ouvrir et s'attendait à une livraison, alors elle est descendue par la porte arrière et a entendu le contenu de leur réunion. Lucie nous a dit que Cédric et son groupe étaient des occultes, des gens qui aident d'autres personnes à commettre et à dissimuler des crimes et à échapper aux sanctions. Ils n'étaient pas complices de crimes mineurs, ils étaient les pires des pires, des violeurs, des meurtriers et bien d'autres encore utilisent ce groupe pour trouver des victimes qui échappent à la loi. Naturellement, Lucie l'a confronté, a chassé le groupe du gnome et a menacé de contacter les autorités. C'est exactement ce que je suis sur le point de faire aussi. Je ne veux pas d'une personne comme ça sous mon toit. Je fis volte-face, prête à rejoindre le bar en trombe et à me débarrasser de Cédric, mais Damien me rattrapa et me saisit le bras en signe de protestation. Tu ne connaissais pas ta tante, mais tu es parfois aussi têtue qu'elle. Cédric n'est pas une personne. C'est un monstre. Lucie ne l'aurait jamais laissé en liberté si elle avait eu le choix. Je fus prise d'un haut-le-cœur. Nous étions confrontés à des phénomènes surnaturels et à des choses perçues comme effrayantes par le commun des mortels, mais qui constituaient notre routine. De ce fait, entendre Damien qualifier Cédric de monstre m'a vraiment fait peur. Comment lui a-t-il ôté le choix ? Damien ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'en eut pas le temps. Des exclamations fusaient depuis le bar et une forte agitation se fit soudain entendre, suivie d'un cri strident. « Nathalie !» Damien se précipita vers la porte et je le suivis. À l'intérieur, c'était un carnage. Le premier visage à me faire face fut celui de Sandra, des larmes de mascara coulant sur ses joues. Il n'y avait pas de Philippe mort réconfortant qui la suivait. À la place, il y avait une salle remplie de clients terrifiés. « Camille ?» a lâché Nathalie dans un souffle. Elle se tenait debout sur le bar. Cédric était assis calmement en face d'elle, un grand verre de vin rouge à la main. Il avait ôté sa capuche, et je pouvais clairement voir son expression joyeuse, tandis que ma barmaid dansait pour lui, les membres brisés et contorsionnés comme une marionnette. Nathalie avait l'air de souffrir énormément. Les mouvements que décrivaient les différentes parties de son corps alors qu'elle dansait n'étaient pas naturels. Plus elle souffrait, plus Cédric s'extasiait. Elle n'était manifestement pas maîtresse de ses gestes, et l'habileté de Cédric à la manipuler me terrifiait. Finalement, après ce qui me sembla être une éternité, il la lâcha et je la vis s'écrouler, se fendre la cheville en glissant du bar et s'effondrer sur la pile de verre derrière elle. Il se tourna vers moi, puis vers Damien et sourit. « Je vois que vous avez appris à me connaître. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire de vous expliquer l'arrangement. Dommage. J'ai pensé que nous pourrions être civilisés. Mon groupe se réunira ici mercredi prochain à 17h. Le pub sera fermé pendant 3 heures, le temps de la réunion, et cela se poursuivra tous les mois. Vous ne voulez pas savoir ce qui se passera si cela ne se fait pas. » J'avais envie de crier, de faire tout ce que je pouvais pour empêcher cela, mais j'entendais encore Nathalie gémir sur le sol et je ne pouvais pas me résoudre à prendre ce risque. J'avais été prise au dépourvu. Cédric se dirigeait vers la sortie lorsqu'il se tourna vers moi. « Au fait, je suis ravi de vous rencontrer aussi, Camille. Vous me rappelez beaucoup, Lucie. » Ces mots avaient glissé comme du venin. Il jeta un dernier coup d'œil à Nathalie qui peinait à se redresser. Avec un gloussement suffisant, il sortit du bar. Au même moment, j'entendis un grand bruit de craquement et un autre cri. Alors que les battants de la porte saloon se balançaient encore, la foule de clients choqués s'est mise à hurler et à semer le chaos. J'ai couru vers Nathalie, dont le poignet était maintenant plié vers l'arrière, à tel point que ses phalanges heurtaient son bras en se balançant. Elle était couverte d'ecchymoses et de coupures, et elle hyperventilait. J'ai essayé de la calmer, et j'ai commencé à enlever le verre, mais elle était tellement bouleversée qu'elle avait désespérément besoin de soins médicaux. Nicole, une femme d'âge moyen qui n'avait pas bu d'alcool, proposa de l'emmener à l'hôpital en voiture. Reconnaissante, Nathalie accepta, et je leur demandai de me tenir au courant. J'ai offert une tournée à tous les habitués ébranlés. Ils rejoignirent finalement leur table et leurs chaises respectives, me laissant seule au bar avec Damien et Alain, qui avaient repris sa place. « J'espère vraiment qu'elle va bien !» m'écriai-je. J'étais totalement abattue. « Ce n'était rien, Camille. Tu n'as aucune idée de ce dont cette créature est capable. »
s'emporta Alain. Le visage de Damien s'assombrit. Il ne quittait pas Gnobert des yeux. « Je n'ai pas eu le temps de te raconter toute l'histoire. » Lucie n'avait pas d'autre choix que de laisser le groupe agir à sa guise. Pas après Irène. Je vis une larme couler sur la joue de Damien pendant qu'il parlait. Alain avait l'air tout aussi bouleversé et fixait le petit gnome avec une telle concentration que je pense qu'il essayait d'occulter le monde qui l'entourait. Irène était une autre habituée des lieux. Elle était jeune, à peu près l'âge de Nathalie, et venait avec ses parents. Tout le monde l'aimait bien. C'était une gentille fille, et elle invitait ses jeunes amis à boire un verre ici, mais ils n'ont jamais causé de problème, et c'était bien d'avoir un peu de sang jeune dans cet endroit. Lorsque Lucie a chassé Cédric et ses partisans, ils sont revenus 3 jours plus tard pour se venger. Irène n'a pas eu de chance, elle se tenait juste à côté de la porte. Je ne sais pas comment il fait, mais il peut amener les gens à faire des choses avec leur corps que leur esprit ne veut pas faire. Je pense qu'ils contrôlent leur conscience pour qu'ils ressentent la douleur et qu'ils s'en souviennent toujours. Il a murmuré quelque chose à l'oreille d'Irène à l'entrée du gnome et elle a perdu la tête. Elle est allée derrière le bar, a pris une bouteille d'absinthe et s'en est imprégnée, en criant qu'elle ne voulait pas. Damien fit une pause pour se calmer. Pendant qu'elle brûlait, Cédric est entré et a fait un discours. Il nous a dit à tous que si lui ou sa meute n'étaient pas traités avec un peu de respect, et qu'on ne leur rendait pas leur lieu de vie, il anéantirait chacun d'entre nous de façon tordue. Ses partisans étaient si heureux, ses fous reniflaient l'air et souriaient. « As-tu déjà senti un humain en feu ? » Il n'y a rien de plus répugnant. Damien se resservit un verre de whisky, et je restai assise, incrédule, essayant de trouver mes mots. « Pourquoi personne n'a rien fait, essayer de le blesser ou quoi que ce soit d'autre ? » ai-je demandé d'un ton suppliant. Lucie a essayé. Alain a repris la parole. Elle a fait des plans tous les mois pour essayer de les arrêter, de les achever pendant qu'ils étaient au même endroit. Cédric a toujours une longueur d'avance. Rien de ce qu'elle a fait n'a fonctionné, ça l'a juste mise en colère. Elle a abandonné pour le bien de tous. Elle ne voulait pas que quelqu'un soit blessé. Ces derniers mots m'ont rendue furieuse. Les lâches ! Qu'en est-il des gens qu'ils blessent ? On est assez nombreux pour le maîtriser, non ? On s'en fout. J'emmerde l'accord de tante Lucie. Tout cela prendra fin quand ils reviendront. Alain secoua la tête devant mon optimisme et, sans dire un mot, se leva pour quitter le bar qui s'était lentement vidé pendant que nous parlions. Damien commença à nettoyer et à ramasser les verres en silence. J'étais déterminée à trouver un moyen d'abattre Cédric. Lorsque le bar fut fermé, après le départ de Damien, je me suis assise avec Frometon et j'ai essayé de trouver un plan. Nicole m'avait envoyé un message pour me dire que Nathalie allait s'en sortir, on lui avait juste plâtré le poignet et qu'elle avait besoin de beaucoup de repos. Le message était accompagné d'une photo de Nathalie qui semblait soulagée malgré ses yeux rougis de larmes. Je regardais la photo. J'ai pensé à Irène, à Lucie et à tous les habitués que j'aimais tant. Soudain, l'idée qui me permettrait de gagner la bataille germa dans mon esprit. Si vous êtes nouveau chez le Gnome Grincheux, bienvenue. Prenez un tabouret et goûtez ma limonade artisanale. Elle est vraiment bonne. Alain a l'air grincheux, mais je peux vous assurer qu'il vous sera reconnaissant de lui tenir compagnie. La dernière fois, je vous ai parlé de Cédric, de son groupe de tarés et du marché qu'il a imposé à ma tante Lucie. Cela m'a rendu malade de penser à ce qui est arrivé à Irène, et je me suis sentie encore plus mal quand Nathalie est revenue au pub, le poignet en attelle et l'air abattu. Je ne pouvais pas laisser ce marché se poursuivre. Outre le fait que j'abhorrais la philosophie du groupe, ils avaient effrayé mes habitués. Ne pas agir en conséquence ferait de moi une horrible tenancière. Mon plan était solide, je l'espérais, mais je savais que je n'y arriverais pas seule. Vaincre quelqu'un d'aussi fort que Cédric allait nécessiter de l'aide. Au cours de la semaine, j'ai demandé un coup de main à mes habitués. La plupart, terrifiés par les événements survenus au pub lors de la visite de Cédric, se sont empressés de refuser. J'avais une communauté entière, remplie de gens qui pouvaient faire des choses incroyables ou se transformer en créatures extraordinaires, mais aucun d'entre eux n'était prêt à prendre le risque de m'aider. Madame Tourny avait trop peur des choses qu'elle pourrait faire sous le contrôle de Cédric. Il n'a pas été possible de la convaincre, ni par une offre de boisson illimitée pour la nuit, ni par ma promesse de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer sa sécurité. Après ma conversation avec elle, j'étais découragée. J'avais sollicité au moins 15 personnes avant elle, et toutes m'avaient apporté la même réponse. Monsieur Dubuisson s'est même moqué de moi. Il ne comprenait pas en quoi un vieil homme comme lui pouvait m'aider. J'ai essayé de mentionner l'incident des toilettes, mais il est resté perplexe, comme s'il ne s'en souvenait pas du tout.
On ne peut pas demander avec tact à quelqu'un s'il est un monstre. Pas étonnant que Tante Lucie n'ait pas réussi à se débarrasser du groupe de tarés. Alain et Damien étaient là. Pour être honnête, je ne leur ai pas laissé le choix. J'ai menacé Alain d'être banni du bar et Damien de perdre son emploi. Je me sentais très mal en réalité. Je n'allais pas mettre à exécution l'une ou l'autre de ces menaces, mais à ce stade, je désespérais de me retrouver seule pour mener à bien mon plan. Pour Nathalie, c'était une autre histoire. Son anxiété s'était accentuée depuis son agression. J'ai essayé d'insister pour qu'elle prenne des congés payés, mais elle a refusé, me disant qu'elle devait travailler pour rester saine d'esprit. Elle était nerveuse et avait même du mal à débarrasser les verres, mais je n'allais pas m'en prendre à elle. Je n'avais même pas demandé son aide. Elle me l'a proposé lorsqu'elle m'a entendu parler à Damien de la difficulté que j'avais à mettre mon plan à exécution. Je lui ai dit non un millier de fois, mais elle voulait absolument faire quelque chose malgré sa terreur. Ces trois-là étaient les seuls sur lesquels je pouvais compter, et le mardi, nous n'avions pas avancé dans nos projets. Le plan que je croyais parfait n'allait jamais fonctionner avec si peu de personnes, et nous allions nous faire royalement baiser par Cédric. J'ai donc pris des mesures drastiques. Le jour de l'ouverture, j'ai dit aux clients du gnome que je n'étais pas une oratrice. Alors me tenir sur le bar lui-même et les supplier de m'aider, c'était énorme. Bonjour à tous. Comme vous le savez tous, nous avons un client au gnome que nous nous efforçons d'expulser de l'établissement. Je veux que vous soyez tous en sécurité, mais je ne peux pas le faire sans votre aide. Et si vous voulez tous continuer à boire ici, je vous suggère de vous impliquer. Je pensais avoir fait un bon discours, mais je n'avais jamais vu un pub se vider aussi rapidement. Ces gens avaient peur. Mon appel à l'aide n'a pas eu l'effet escompté. La plupart des clients ont terminé leur verre et se sont levés. Il était encore tôt dans la soirée. Quelques-uns sont néanmoins restés. Philippe et Sandra ne m'ont pas déçu, et j'étais reconnaissante de les voir encore assis là. Leur talent allait s'avérer particulièrement utile. Je ne pense pas qu'il puisse me faire grand-chose, mais sa femme l'a déjà fait. Plaisanta Philippe pour rompre le silence. Il mima un mouvement de découpe avec son doigt, désignant sa femme de la tête. Alain rit et Sandra lui lança un regard noir, mais Frometon était si bien installé sur ses genoux que je pense qu'elle n'a pas voulu le déranger en se levant. Une autre femme s'est assise de l'autre côté du bar, à côté de Nathalie. Je savais qu'elle s'appelait Tiffany, mais nous n'avions pas beaucoup échangé. Merci d'être là. Je lui ai tendu une vodka limonade, sa boisson habituelle. C'était d'ailleurs la seule chose que je savais d'elle. Je ne vais certainement pas rater cette occasion. Irène était ma meilleure amie. Ce que ce monstre lui a fait... Sa voix s'est brisée alors qu'elle essayait de trouver ses mots. Le seul autre client qui était resté l'entoura de son bras. Quentin était un visiteur quotidien du gnome. Il ne restait jamais longtemps et passait sur le chemin du retour après son travail de balayeur. Il était toujours vêtu de sa tenue à haute visibilité et cette fois-ci ne faisait pas exception. Tiffany était une jeune fille très glamour, mais malgré la tenue de travail crasseuse de Quentin, elle semblait lui être reconnaissante pour son geste. Il tenta de changer de sujet. « Je suis resté parce que ces enfoirés faisaient toujours en sorte que je ne puisse pas boire un verre le mercredi. Ça gâchait toute la journée. J'emmerde ces types. » Je crois que c'était l'une des phrases les plus longues que je l'ai entendu prononcer. Je ne savais pas si Quentin ou Tiffany étaient des habitués ou non, et je ne voulais pas m'en mêler. J'espérais juste qu'ils tiendraient le coup. Nous avons élaboré des stratégies autour d'un verre, pendant des heures, et après de nombreuses suggestions inutiles, surtout de la part de Damien, nous avons finalement décidé d'un plan d'action. J'allais être seule dans l'appartement à l'étage lorsqu'ils entreraient, pour qu'ils aient l'impression d'avoir gagné. Quelques instants après le début de leur réunion, Philippe entrerait et jouerait un rôle d'appât. Il allait essayer de faire enrager le groupe pour attirer l'attention sur lui. Il avait l'intention de passer pour un voyou. Sandra insista sur le fait qu'une fois qu'il aurait détourné leur vigilance, elle entrerait. « Rien ne me met autant en colère que Philippe, sauf les gens qui lui font du mal. » Elle était convaincue que leur agressivité à l'égard de son mari déclencherait sa rage surhumaine. J'ai souligné les problèmes. Cédric pourrait prendre le contrôle sur elle pour l'obliger à retourner sa fureur contre nous. C'est là que Tiffany est intervenue. Elle était restée silencieuse tout au long de la conversation et grimaçait chaque fois que Cédric était mentionné, mais en entendant les intentions de Sandra, elle a finalement pris la parole. « Non, je vais chercher Philippe. » dit-elle d'un ton grave. « Et pourquoi tu ferais ça, hein ?» Sandra avait littéralement craché ses mots. Je pouvais voir la jalousie insensée qui bouillonnait en elle. Heureusement, Damien l'avait remarqué aussi. « Ce n'est pas le moment, Sandra !» lui cria-t-il depuis son siège. Elle recula, laissant Tiffany parler. « C'est moi qui ai le plus de chances de lui résister. » Après un moment de silence, et à la vue de nos visages confus, elle a continué. « Il n'est pas le seul à pouvoir faire des choses. Regardez. »
Tiffany recula d'un pas. Elle se tenait debout, les bras de part et d'autre de son corps, paume tournée vers nous. Elle ferma les yeux et se volatilisa en un clin d'œil. « C'est quoi ce bordel ?» balbutia Alain, qui était pourtant rarement choqué. « Il ne peut pas me contrôler s'il ne peut pas me voir. » La voix de Tiffany avait surgi de nulle part. « Je peux arriver derrière Philippe, pendant que Cédric l'utilise comme un jouet. Je peux trouver la bonne position et le tuer. » Je sentis quelque chose frapper ma nuque et je me retournai pour voir Tiffany, debout derrière moi, à quelques mètres de l'endroit où elle avait disparu. Ses paroles me mirent mal à l'aise. « Je ne suis pas sûre de pouvoir tuer, » commençai-je, mais Quentin m'interrompit. « Tu n'as aucune idée du nombre de personnes qu'ils ont tuées et du nombre de survivants qui auraient souhaité être tués. Si quelqu'un le mérite, c'est bien eux. » Irène n'aurait jamais dû mourir. On devait même aller à Amsterdam cette année-là, ajouta Tiffany derrière moi. Nathalie me regardait depuis l'autre côté de la pièce. Depuis l'incident, elle avait une expression constante de désespoir dans les yeux que je n'arrivais pas à chasser de mon esprit. Elle avait l'air si brisée et son regard transperçait mon âme. L'idée de tuer me mettait mal à l'aise, mais je ne l'étais pas autant que Nathalie, suspendue au bar comme une marionnette. Je savais qu'ils avaient raison. Il n'y avait pas moyen de faire cela sans qu'il y ait un mort, sans compter Philippe, bien sûr. J'ai également pensé à toutes leurs victimes et à quel point je voulais les aider. Nous avons finalisé les détails et prévu que Philippe entrerait dans le pub 15 minutes après le début de leur réunion pour donner le coup d'envoi, les autres arrivant dans le jardin à l'arrière au moment où Philippe entrerait. Nous avons bu un dernier verre ensemble et ils ont commencé à rentrer chez eux, nous laissant, Damien et moi, pour nettoyer. Damien réfléchissait en balayant le coin salon. « Camille, tu sais que Lucie a essayé, n'est-ce pas ? Elle a marché avec une canne pendant les deux dernières années de sa vie, après que Cédric lui a cassé la jambe quand elle a appelé la police. Il s'est débarrassé de tout, de toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Ça l'a brisé, Camille. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. » J'ai pensé à ma tante. Je ne savais pas qu'elle marchait avec une canne, mais je ne l'avais jamais connue. Il y avait tant de choses à apprendre sur elle. Ce ne sera pas le cas, Damien. Je vous ai tous. Cédric et ses amis n'ont aucune chance. Tu as vu Tiffany, nous n'échouerons pas. Nous ne pouvons pas. J'essayais de faire bonne figure pour tenter de m'en convaincre, moi autant que Damien. J'espère que tu as raison. Nous avons terminé environ une heure plus tard, et Damien rentra chez lui, me laissant au lit, l'esprit en ébullition, avec Frometon sur mes genoux. J'ai essayé d'organiser mes pensées, mais elles se mélangeaient dans un bruit blanc assourdissant, à tel point que je fus étonné d'avoir entendu le téléphone sonner. Il y avait une vidéo en pièce jointe, provenant d'un numéro inconnu. Je l'ouvris. Elle avait été prise, à quelques minutes à pied du gnome, à l'extérieur de la tour où vivaient Nathalie, Monsieur Dubuisson et un certain nombre de mes habitués. J'ai vu Nathalie arriver à l'extérieur, serrer Tiffany dans ses bras, regarder autour d'elle et entrer dans l'immeuble. Ensuite, la vidéo montra Nathalie sous un autre angle et beaucoup plus proche. Elle était prise de dessus, alors qu'elle dormait dans son lit. Une main fine et pâle s'est tendue et a éloigné un cheveu de son visage si doucement que je n'étais même pas sûre qu'elle l'ait réellement touché. La personne s'est ensuite retournée et est sortie calmement de la chambre avant que la séquence ne soit coupée. Je sentis mon estomac se tordre. Lorsque la vidéo se termina, je remarquai le SMS qui l'accompagnait. Il me donna envie de vomir. « Je peux lui infliger les pires souffrances quand je le souhaite. Ne tente rien. On se voit demain. » Mon cœur s'est emballé après avoir reçu la vidéo de Cédric. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre par texto, ni de lui donner satisfaction, mais j'ai appelé Nathalie. « Tu vas bien ? » ai-je demandé avec une vive inquiétude. Il était clair que je l'avais réveillée. Elle avait l'air groggy. Elle ne savait pas de quoi je parlais. Cédric était parti. Ce n'était qu'un moyen de nous effrayer et de nous soumettre. J'ai raconté à Nathalie ce qui s'était passé. Je ne voulais pas le faire, je savais ce que cela lui ferait, mais elle avait le droit de savoir quel danger elle courait. « Camille, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai ma grand-mère ici, elle ne peut pas être blessée. Et s'il entre, c'était si douloureux la dernière fois. » Je pouvais l'entendre commencer à hyperventiler au bout du fil. Il fallait que je l'arrête. « Y a-t-il quelqu'un qui peut rester ici avec toi ? Juste jusqu'à demain, et ensuite tu viens directement ici. C'est moi qui le veux, pas toi. Je suis vraiment désolée, Nat. » J'ai essayé de penser à des solutions viables. Plusieurs de nos habitués, les plus spéciaux, vivaient dans ce quartier. Je savais qu'aucun d'entre eux ne voudrait qu'il lui arrive quoi que ce soit. « Je vais me débrouiller pour la nuit, Camille. Je vais barricader ma porte d'entrée,
la verrouiller et tout le reste. Au moins, je l'entendrai entrer. S'il voulait me faire du mal, il l'aurait fait à ce moment-là. Je voyais bien qu'elle essayait de s'en persuader et qu'elle ne réussissait pas très bien à me convaincre qu'elle allait bien. Je n'ai pas dormi une minute cette nuit-là. À la place, j'ai compté plusieurs fois les taches sur le plafond de la chambre. 37. Lorsque j'ai entendu frapper à la porte, je me sentais si défaite et fatiguée que j'ai presque sursauté. C'était Nathalie. Elle était vivante, Dieu merci. Je l'ai serrée dans mes bras et elle a souri faiblement. Tu nous fais du thé ? Le simple fait de descendre les escaliers du quartier m'a fait l'effet d'un marathon aujourd'hui. A-t-elle haleté les mains sur les cuisses ? Nous avons fait chauffer le thé et nous nous sommes assises ensemble au bar où il y avait plus de place qu'à l'étage. Tu as réfléchi à ce que tu allais faire maintenant ? Quel est le nouveau plan ? Demanda Nathalie. J'ai soupiré. Regarder mon plafond en comptant les taches ne m'avait pas donné d'inspiration. Je n'avais rien. Le plan reste le même. Je pense toujours qu'on peut les aveugler avec fil. Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. C'était un mensonge. Tu sous-estimes Cédric et tu le sais. Je n'ai pas eu le temps de répondre, j'ai juste hoché la tête. Damien était à la porte. Il avait acheté des pâtisseries pour le petit déjeuner. Tu as une mine affreuse, Camille. Ce n'était pas l'accueil le plus amical que j'ai jamais reçu, mais je ne pouvais pas le contredire. Nathalie m'a jeté un regard noir en mangeant son gâteau à la cannelle. Frometon faisait la sieste sur les genoux de Damien, et le simple fait de le regarder m'alourdissait les yeux. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais rester réveillée pour affronter Cédric, et encore moins pour l'éliminer. La journée passa au rythme des battements de l'horloge. Nous n'avons pas ouvert le pub ce jour-là, nous avons simplement attendu, sachant que cela pouvait très bien être la fin de la vie du gnome grincheux tel que nous la connaissions. Le regard froid de Nathalie s'est adouci lorsque nous les avons entendus entrer en bas. Elle est passée d'une présence dure qui me jugeait à une petite fille que je devais protéger en quelques minutes. « Nous devons rester ici », ai-je dit en essayant de garder mon calme. Je me demandais combien de temps Philippe mettrait à arriver. J'entendais déjà les tables et les chaises être déplacées en dessous de moi. Putain, je n'étais pas faite pour jouer un rôle de leader ici. Il n'a pas fallu longtemps pour que j'entende un craquement des plus violents suivi de cris. « Camille, je te conseille de descendre les escaliers tout de suite !» Je me suis figée un instant au son de sa voix. Tiffany était-elle déjà entrée ? Et Sandra ? Mes habitués étaient-ils tous morts sur le sol en bas ? Comment avait-il tué Philippe cette fois-ci ? La fille et cet imbécile de gaffeur aussi ! Dépêchez-vous ! À présent, Cédric semblait impatient. Nathalie m'a attrapé le bras, enfonçant ses ongles si fort que je suis sûre que j'ai saigné. Mais la pauvre fille était si effrayée que je n'ai pas pu l'arrêter. Damien a ouvert la voie. La scène était horrible. Les amis de Cédric avaient littéralement déchiré Philippe. Ils avaient tailladé ses membres avec du verre brisé et lui avaient sectionné un bras entier. J'ai sursauté en voyant cela, et l'homme de main le plus proche du corps l'a frappé si fort au visage que ses traits se sont effondrés. « J'ai essayé de te prévenir, Camille. Pourquoi est-ce que tu as voulu jouer à la plus maline ? Tu te rends compte de ce que tu viens d'infliger à tes amis ?» Cédric me sourit et haussa un sourcil. Il aimait le jeu. J'ai arpenté la pièce. Je n'arrivais pas à détacher mon regard du cadavre effrayant de Philippe sur le sol. Je n'étais pas sûre qu'il puisse rattacher son bras. Sandra ne l'avait encore jamais démembré. Je ne voyais personne d'autre, mais je savais que cela ne voulait pas dire que Tiffany n'était pas là. « S'il vous plaît, ne faites de mal à personne. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. J'ai compris le message, je vous le promets » ai-je plaidé, feignant l'ignorance et m'en tenant au plan initial. Le manque de sommeil se faisait sentir, et je devais lutter pour être crédible. « Arrête de me prendre pour un idiot. Je te tiens, toi, la gérante, pour responsable de tous les problèmes que mon groupe rencontre pendant notre séjour ici. Alors j'ai bien peur que tes faibles supplications ne suffisent pas. » Il m'a regardé droit dans les yeux et j'ai senti les ongles de Nathalie s'enfoncer davantage dans ma peau. Elle gémit et se convulsa avant de s'effondrer dans l'agonie, les bras suspendus en l'air, la maintenant comme si elle était attachée à quelque chose. « Arrête, espèce de monstre !» cria Damien, me faisant sursauter. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal !» « Faites-moi du mal, c'est moi qui mérite ça, pas elle » ai-je ajouté, descendant les escaliers pour me ruer vers Cédric. « Je ne m'approcherai pas plus si j'étais toi » dit-il calmement, en tenant sa paume vers moi. Je me suis arrêtée. Il serra le poing et j'ai entendu un gémissement derrière moi. Je me suis retournée pour voir Nathalie soulevée du sol par les bras. Ses pieds pendaient désespérément, à tel point que les pointes n'en touchaient même plus le sol. J'ai entendu son bras se déboîter à force de supporter son poids, et j'ai vu ses articulations se disloquer sous l'effort.
Je n'avais jamais vu quelqu'un souffrir autant. Je me suis retournée vers Cédric. « Tu es un monstre !» C'est tout ce que j'ai pu faire. J'étais en état de choc et je n'avais pas de mots. « Et tu es stupide. Te faire du mal ne serait pas aussi amusant que... » Il fut interrompu. Littéralement, en fait, par un grand couteau qui lui trancha la gorge. En un clin d'œil, Tiffany fut visible derrière lui, lui tailla dans le cou comme si elle était possédée. Nathalie tomba sur le sol avec un bruit sourd, haletant de soulagement. « Irène était magnifique ! C'était la personne la plus extraordinaire qui existait et tu l'as prise !» s'écria Tiffany en tranchant les vertèbres de Cédric avec une force incroyable. La pièce a instantanément sombré dans le chaos. Je me suis rendu compte que la partie du plan à laquelle je n'avais pas pensé était celle où nous serions largement dépassés en nombre par les amis sociopathes de Cédric. Ils étaient plus nombreux que je ne le pensais, une dizaine. Damien avait déjà été attrapé. Deux d'entre eux le frappaient violemment au sol. J'ai essayé de courir vers lui, mais j'ai surpris Nathalie en train d'être malmenée par un grand homme à l'air ignoble et j'ai changé de cap. Je savais que Damien comprendrait. Lorsque je fus finalement attrapée à mon tour, j'ai réalisé que c'était sans espoir, qu'il était fort probable que nous allions tous mourir au gnome. Les doigts de l'homme s'enfonçaient dans ma clavicule tandis qu'il me traînait à travers la pièce. Un autre attrapa un tabouret de bar et commença à le soulever. J'étais certaine qu'il allait s'en servir pour mettre fin à mes jours. Puis la porte s'est ouverte. La lueur du crépuscule était comme un rayon d'espoir qui fut bientôt bloqué par la silhouette incroyablement en colère de Sandra. Elle a hurlé quand elle l'a vu, Philippe par terre, le visage écrasé. Ce n'était pas comme les multiples fois où elle l'avait tué, c'était un véritable spectacle de désolation. Elle a poussé un cri guttural et primitif qui m'a fait mal à l'âme. Personne ne pouvait la quitter des yeux. L'homme qui me tenait a même desserré son étreinte. Elle ne s'arrêta qu'un instant avant de déverser sa colère débordante sur la pièce. Sandra était une petite femme d'à peine 1m60 avec des talons, mais elle pouvait attaquer plus violemment que n'importe quel homme que j'avais jamais vu. Elle était la véritable incarnation humaine de la rage. Elle avait traversé la pièce, le sang giclant sur son passage. Quentin était arrivé derrière elle et frappait les assaillants avec un balai, un air satisfait sur le visage. Cependant, ces derniers l'auraient dévoré vivant s'il n'avait pas fait équipe avec Sandra. Les corps commençaient à s'amonceler. Elle ne tarda pas à arriver jusqu'à moi et à arracher le visage de l'homme qui me tenait. Des lambeaux de ses joues jonchaient le sol. Sandra arriva enfin à Tiffany, qui gisait inerte sur le sol. Elle avait été violemment battue par deux des hommes de main de Cédric. Près d'elle, ce dernier était allongé, décapité. Elle approcha sa main vers l'un des types et enfonça ses pouces dans ses orbites qui commencèrent à saigner. On s'attend à ce que les globes oculaires sortent facilement, mais ce n'est pas le cas. Il y a d'abord beaucoup de dégâts. Alors qu'elle se retournait pour attaquer le dernier adepte restant, il sortit un pistolet de sa poche. Cela arrêta Sandra dans son élan. Je me sentais vaseuse. Aucune rage n'était assez puissante pour rendre Sandra à l'épreuve des balles, et aucune des bizarreries du peuple n'aurait pu me préparer à ce massacre. « Arrêtez, s'il vous plaît, partez! Personne d'autre ne doit mourir !» ai-je crié. « Oh ! Maintenant tu veux être tranquille parce que j'ai une arme, c'est ça ? Eh bien, ça ne marchera pas. Tous mes amis sont morts. Tu viens avec nous, espèce de... » Il s'effondra au sol. Avez-vous déjà vu un vieil ami et ressenti une chaleur intérieure comme si tout allait bien dans ce monde ? C'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu Gnobert, notre chère mascotte, littéralement voltiger à travers le bar à une vitesse folle, en plein vers la tête du tireur. Je me suis demandé où était passé Alain pendant tout ce temps. Je ne sais pas depuis combien de temps il était sous le comptoir, mais je n'ai jamais eu autant chaud à l'intérieur. Il m'avait réprimandé pour avoir tenté d'arrêter Cédric, mais en fin de compte, il était là pour nous. Sandra s'est emparée de l'arme qui se trouvait à côté de l'homme inconscient et lui a tiré 3 balles dans le visage. Elle ne s'est pas arrêtée pour regarder, elle a instantanément lâché le pistolet et couru vers le corps mutilé de Philippe en sanglotant. J'ai inspecté le pub, les corps partout, et mes amis. Damien réconfortait Nathalie qui pleurait dans ses bras. Alain se tenait avec Sandra, essayant désespérément de réveiller Philippe. Cela peut paraître malsain, mais il n'avait jamais eu l'air aussi mort. Dans un coin, Quentin se tenait au-dessus de Tiffany. J'ai couru vers eux. Je voulais essayer de les aider, de la réveiller pour qu'on puisse l'emmener à l'hôpital, mais dès que je l'ai vue, j'ai su. C'était trop tard. Elle n'était plus là. J'ai regardé Quentin et je l'ai serré dans mes bras. Alors que les larmes coulaient sur mon visage, j'ai pu voir la silhouette de quelqu'un se lever. C'était Philippe. Ses traits n'étaient plus creusés et défigurés. Il avait l'air beaucoup plus débraillé que d'habitude et il lui manquait toujours un bras. « Tu es vivant !» cria Sandra.
Bien sûr que je le suis, chérie. Il ne t'arrive pas à la cheville quand il s'agit d'être violent. Il gloussa maladroitement. Je ne suis pas sûr de récupérer ce membre, par contre. Il désigna son bras coupé avec celui qui lui restait. Il tira sur la manche de sa chemise pour révéler un moignon parfaitement cicatrisé. J'esquissai un léger sourire. Dans ce chaos, il y avait un peu de normalité, mais mon moment de paix était doux amer. J'ai tout de suite pensé à Tiffany. Aucun d'entre nous n'a pu faire quoi que ce soit. Nous avons essayé la réanimation et tout le reste, mais elle avait cessé de respirer et son cœur ne battait plus. Ses parents connaissaient ses talents particuliers. Ils étaient là quand Irène a été lâchement assassinée. Ils méritent de connaître la vérité. Suggéra Quentin après un long moment de silence au sein du groupe. Il essayait de rester fort, mais sa voix se brisa alors qu'il luttait contre les larmes. « Philippe et moi, on vous accompagne. Ramenons-la auprès des siens. » lui répondit doucement Sandra en passant un bras autour de ses épaules. Elle était passée d'une machine à tuer à une personne douce et maternelle. Nous avons tous aidé à envelopper Tiffany dans des draps. Je me suis assurée qu'ils étaient propres, c'était plus respectueux, puis nous l'avons chargée à l'arrière de la camionnette de Quentin. Il buvait toujours une pinte à la fin de son travail et se garait souvent à proximité. Quand ils furent partis, il y eut un vide. Tous ceux qui restaient dans le pub pouvaient ressentir les affres de la perte. Nathalie était allongée dans un box, en train de récupérer. Les dommages causés à ses bras n'étaient pas aussi graves que je le pensais. Tiffany avait arrêté Cédric à temps. L'endurance du corps humain est étonnante et Nathalie était une dure à cuire. Damien faisait le ménage. C'est ce qu'il faisait après chaque événement qu'il trouvait stressant. Alain l'a arrêté. « Ça ne sert à rien de passer la serpillière, Damien. Il faut se débarrasser des corps. » « Putain, encore une chose à laquelle je n'avais pas pensé. »« Je sais comment faire. » intervint Nathalie d'une voix faible, se redressant tant bien que mal. « Mais il faut d'abord les découper. » Alain prit le parti de ne pas la contredire. « Viens, Damien. On fait comme dit la demoiselle. » Il le saisit par le bras et ils commencèrent à déplacer les corps dans la cave. Une fois qu'ils furent tous évacués, je pris la serpillière que Damien avait sortie et j'ai commencé à nettoyer le gnome. Il n'était pas question que tous ces sacrifices aient été vains. Nous allions ouvrir le lendemain et boire à la santé de Tiffany. Je me concentrais tellement sur l'élimination de chaque goutte de sang que ma vision commençait à se troubler. « Camille, tu dois dormir !» m'ordonna Nathalie. « Non, Nat, je ne peux pas, c'est de ma faute, je dois faire quelque chose. » ai-je répondu en frottant Gnobert qu'Alain avait soigneusement reposé sur le bar. Il n'avait pas une seule fissure. « Tiffany connaissait les risques. Nous le savions tous. » Tu devrais être fière. Tu as eu le courage de les arrêter. Pense à toutes les personnes que tu as sauvées ce soir, à toutes ces horreurs qu'ils trafiquaient. » J'ai essayé d'assimiler ces paroles, mais je n'y arrivais pas. Mon esprit s'était éteint. J'ai continué à nettoyer. Alain et Damien ont fini par remonter du sous-sol. Vers 23h, Nathalie s'est levée faiblement. Elle a insisté sur le fait qu'elle devait ramener les parties démembrées chez elle, affirmant qu'elle pourrait s'en débarrasser dans son quartier dès qu'il serait 1h11 du matin. Cela soulevait un grand nombre de questions dont je n'étais pas sûre de vouloir connaître les réponses. Je décidai donc de ne pas les poser. Damien chargea sa voiture et aida Nathalie à s'asseoir sur le siège passager. Le gnome était propre, les corps avaient disparu, mais on avait l'impression que l'endroit était différent, comme si Cédric en avait arraché l'âme. Alain a vérifié que j'allais bien et a pris le chemin de la maison. J'ai verrouillé les portes et je suis montée à l'étage où je me suis allongée dans mon lit, blottie contre Frometon. Mon esprit s'est emballé, mais le manque de sommeil a fini par avoir raison de moi et je me suis effondrée. Je me suis réveillée le lendemain matin sans savoir comment je me sentais. Je me suis rendu compte que mon idée de boire à la santé de Tiffany était peut-être un peu prématurée, mais j'étais déterminée à faire fonctionner l'établissement. Damien est arrivé et a préparé le thé vers midi. Cela m'a fait plaisir de le voir. Je lui ai demandé s'il avait eu des nouvelles de Nathalie et il m'a répondu qu'il lui avait parlé ce matin-là et que tout s'était bien passé. J'ai envisagé de lui poser à nouveau des questions sur ses méthodes, mais j'ai décidé qu'il valait mieux que je ne le sache jamais. Nous avons préparé le bar et les choses ont commencé à redevenir presque normales. L'ouverture des portes a été une libération. En l'espace de quelques minutes, Alain était revenu à sa place et Philippe et Sandra étaient à une table en train de parler avec d'autres habitués de l'absence de l'un des bras de Philippe. Peut-être que le gnome allait s'en sortir. Je me sentais pleine d'espoir. Chloé ! Alain m'a arrêté entre deux chopines. Il n'arrivait toujours pas à m'appeler par mon vrai nom.
Au moins, ça commence par un C, ai-je répondu avec un petit sourire. Non, enfin oui, mais il faut que je te dise quelque chose. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine en voyant l'expression d'effroi inonder son visage. Quoi ? Quand on a déplacé les corps... Je lui fis signe de se taire. Ne parle pas si fort, ai-je supplié. Alain regarda autour de lui. Puis il dit quelque chose qui me donna des frissons. C'est à propos de Cédric. On a bien découpé son corps, mais on n'a pas retrouvé sa tête. Je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration.